Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, pour une vidéo carte, toute simple, pas avec des pliages, etc. C'est plus une carte montage, voilà. Je vais utiliser ce dice que j'avais reçu il n'y a pas longtemps de chez AliExpress. Une belle petite gorgeuse princesse. Franchement, gorgeuse princesse et rose, que demander de plus. Je vais utiliser ce petit... Voilà, ce petit château, un dice château que j'avais aussi pris chez AliExpress, mon grand copain. la petite licorne qui vient, devinez d'où? AliExpress, aussi. Et enfin, l'écriture, il manque le F qui s'est détaché, mais c'est pas grave. Fairy Tale, donc féerique. Ça, c'est le dice de chez Action qui était avec les petites fées. Donc voilà. Ici, j'ai pris une base de cartes en 15-15, simplement. Je vais prendre... Je vais d'abord faire le ciel, ici, pour démarquer le ciel de l'herbe. Déjà, je vais voir jusqu'où je vais faire à peu près l'herbe. Ici. Donc, je dirais à peu près, je vais faire vraiment un tout petit repère au crayon. Il me faudrait là, mais vraiment très léger, c'est juste pour voilà, savoir jusqu'où je vais faire le ciel. Donc je vais prendre la Tumbled Glass, forcément mon anglais est génial. Je vais pour séparer, je vais prendre, c'est un espèce de cache et une chute que j'avais. Je fais exprès de ne pas couper droit, parce que l'herbe n'est pas droite, en principe. Voilà. C'est pour faire la séparation. Et je vais prendre une vieille feuille. Ce que je les ai mises ici. Voilà. Pour protéger mon tapis de découpe. Là. Je vais prendre la brosse donc, que j'avais acheté chez Action. J'en avais reçu entre temps de chez AliExpress. Mais bon, il a fallu une plombe pour l'avoir. Heureusement que j'avais celle de chez Action. Donc voilà. J'ai fait mon petit repère ici. Je vais mettre... On va enlever ça. J'ai encore d'habitude plein de sur la table. Voilà. Maintenant, vous voyez bien à peu près. On va utiliser donc la petite brosse. Ben mon chien, t'as un petit instant parce que là, j'avais mis un espèce de bonbon pour le chien, il n'osait pas y aller. C'est un chien battu. Non, je rassure. Moi, mes chiens, c'est mes bébés. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pour ne pas devoir le tenir en plus. Voilà, faire ça. Tac. Comme ça, ça tient. Comme ça, je peux utiliser mes deux mains. Désolé si ça fait peut-être bouger un peu la caméra. Franchement, c'est génial d'utiliser ces brosses. Je n'ai pas mal aux mains parce que j'ai des problèmes au niveau des mains. Et franchement, c'est génial que quand c'est avec l'espèce d'applicateur, on doit appuyer. Vous voyez, d'ailleurs, on voit déjà bien le bleu et j'appuie à peine. Oh, là, j'ai fait un papier. C'est rien. Ça sera camouflé. C'est moi qui a... Voilà. Encore un petit peu sur les bords. Voilà. Après, je vais donc prendre... Je vais tout simplement la nettoyer sur un mouchoir. Et voilà, il n'y a déjà plus rien dessus. Maintenant, je vais faire le bas. Comme ça, tout le fond sera fini. Ça, j'ai acheté celle-ci, mais ça vient de chez Action. J'ai regardé chez AliExpress. J'avais pris la verte. On va enlever celle-ci. Je vais le remettre ici pour ne pas aller sur le bleu. Tac. Voilà. Je vais mettre un petit peu ici, parce qu'elle est un peu plus foncée.
C'est bon, gros. Bon, hein, c'est bon. Comme si ma chienne n'aimerait pas manger. C'est le jour où ils ne mangent pas, qu'elle saurait bien qu'ils vont pas bien. J'ai une de mes petites chiennes qui s'est fait opérer la semaine passée. Heureusement, rien de grave. C'était une petite boule, mais c'est pas cancéreux, heureusement. Mais bon, je n'aime pas quand mes petits bébés se font opérer. Le jour-là que j'étais la rechercher, elle m'a plus lâchée de la journée. Voilà, donc le haut et le bas, j'aime un peu moins au niveau de la couleur ici, ça fait comme des trucs bizarres. Quand c'est avec les ongles distress, il n'y a pas de problème, c'est avec celle-ci. Bon. Enfin, de toute façon, j'aurai des trucs dessus, mais bon, j'aime malgré tout pas tellement. Enfin, soit. Voilà. Ça. Poubelle. Donc, c'est génial. Test. Pour éviter un peu trop le démarquage ici. Bien, c'est toi. Voilà. Nettoyer directement la brosse. Voilà, il n'y a déjà plus rien dessus. Et bien maintenant, je vais regarder au niveau des petits nuages. J'avais des découpes. Ici, j'ai fait de plusieurs couleurs et de plusieurs tailles. Mmh. Oh, j'ai mis des chatouilles. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Je n'avais plus des petits en blanc, c'est rien, je couperai la moitié. Moi je peux mettre ma main bleue avec mes ciseaux. Tac, comme ça moi je vais le coller sur le coin ici. Je regarde si ça filme toujours, parce que après je m'apercevrai que ah non, ça filmait pas. Bon, on va mettre ça ici. C'est pas celui-là. Voilà. Ensuite, je voudrais bien mettre un. Parce que le château, il est où? Ah, il est là. Donc mon château, il va venir ici. Et je voudrais bien, voilà, mettre deux couleurs de. Deux couleurs différentes ici, de petits nuages. Je vais d'abord mettre le blanc. Comme ça, ça fait, ça tranche un petit peu. Après tout, on met les couleurs qu'on veut. Hein. Si j'aurais voulu mettre des petits nuages roses. Voilà. On fait qu'est-ce qu'on veut, comme on dirait. Voilà. Tac. Et le deuxième, il y a un petit peu, voilà. Ça c'est fait. Ouais, c'est une carte assez rapide, et voilà. Évidemment, il faut les dice, mais bon. Petit à petit, je me fais ma petite collection. Je me refais une feuille de brouillon. Pour coller mon petit château. Voilà, j'y arrive, je cherchais mes mots. C'est des tas de peinture, hein, je dis. On voit des traces tout, c'est. Enfin, c'est du. Comment. Du stylo feu qui s'est mis sur. J'avais posé dessus et ça fait la tâche. Voilà, j'y arrive. Non, s'il s'agit de coller toutes les petites parties, ça c'est un peu embêtant quand il y a autant de détails. J'aime bien qu'il y a de la colle en spray, j'en ai d'ailleurs, mais il faudrait que je teste une fois. Quand c'est vraiment des tout petits détails et que du coup, le temps qu'on arrive à la fin de tout, ben, l'autre côté est sèche, quoi. Surtout que cette colle-ci, c'est la nouvelle de chez Action, enfin, la transparente, mais je sais bien que c'était un nouveau packaging, donc je sais pas si c'est la même, mais je sais bien que celle-ci, elle sèche très vite. Beaucoup de personnes disaient qu'elle séchait pas vite, mais moi je trouve que c'est. Elle sèche très 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 vite.
Voilà, on va. Mais bien, je suis en train de te ménager. Moi, je m'engueule avec la. Je me dispute avec la. Les nuages. Il est super beau ce petit château. Mais je me demande si je ferais pas. De nouveau dans le champ, on y a à faire. Un petit chemin blanc comme ça. Il me faudrait du blanc. J'ai des chutes, ça c'est ma petite farte à chute blanche que j'utilise pour les tamponnages ou, voilà, ou comme dans ces cas-ci pour aussi une fois un peu de blanc. Je vais le faire dans ce sens-là. C'est l'idée que je viens d'avoir maintenant. Parce que souvent il y a comme des petits chemins blancs qu'on fait souvent. Voilà. On va tester, hein. Donc couper encore un petit peu, j'ai fait trop grand. Voilà, on va tester avec les autres, voir si ça donne bien. Ma gorgeous, ma licorne. Non, ça sert à rien parce qu'on va, comme il y a la licorne, ou alors je me demande si je vais mettre la licorne pour finir. Je sais pas, parce qu'alors elle cache un peu le château. Non, je ne vais pas mettre la licorne finalement, parce que je trouve qu'elle cache le château. Mais est-ce que je mets le chemin? That is a question. Déjà, le mettre plus droit. Franchement, j'hésite. Je dois encore le couper un tout petit chouïa. Ici. Non, ça donne un petit air, je trouve. Mais en même temps, j'ai encore l'écriture qui vient. Ou alors, je ne mets pas l'écriture, tout simplement. Parce que, je sais pas, j'aime bien que le petit... Ouais, je vais faire comme ça. Je vous dis, c'était une carte totalement... Oui, j'avais préparé quelques trucs, mais je ne savais pas du tout comment ça allait... faire, donc non, car hein, je vais mettre parce que les découpes que j'ai faites de côté tout simplement, et ce sera pour des autres crayons, ce sera pas perdu. Non, je vais mettre mon petit chemin. Je sais pas, j'avais vraiment cette idée de petit chemin blanc comme la route, en fait. C'est un peu comme si elle avait le château en arrière-plan avec la route pour y aller, quoi. Elle est trop belle. J'adore. Oh, quand je l'avais vue. Mais c'est des nouvelles qui ont sorti il n'y a pas longtemps. Mais celle-ci, au marchand que j'ai acheté, était déjà en rupture. Quand je l'avais regardée pour la refaire, voir le modèle. Et je n'ai pas trouvé de part jusqu'à maintenant. Donc, c'est comme la gorgeous licorne que j'ai. Elle a été vite en rupture. Elle est restée pendant des mois avant d'être de nouveau mise en vente. Elle a été, maintenant, il n'y est déjà plus. Ah ouais, c'est fou, quoi. J'en avais recommandé une deuxième par précaution quand elle était de nouveau en vente. Parce que j'avais une amie qui, ben, ma Juju, qui aurait bien voulu la voir. À ce moment-là, la première fois, et quand je l'ai vue la deuxième fois, je lui ai dit, je sais pas si elle l'a acheté. Parce que je me dis, ben, écoute, c'est revenu, parce que je sais bien qu'elle la cherchait. Je lui avais fait des découpes, mais bon. Mais je lui avais dit, ne traîne pas, parce qu'il était mis quantité limitée. Donc, ça, encore une fois, hein, gorgeous. Combiné avec licorne, pour moi c'était inévitable. Ici j'ai commandé donc celle-là, je vais vous montrer les deux autres que j'ai commandées. Et je vais en commander une autre vraiment style princesse aussi. C'est génial, il n'y a pas à se plaindre. À croire qu'ils se disent, il faudrait faire tout ce qui est combiné, princesse, licorne, gorgeous, pour Christelle. Il y a le bout de sa chevelure qui n'est pas collé. Tiens, j'ai pas mis de colle ici. Oh, tiens. Ben c'est vrai, tu vas en avoir. Tu vas en avoir de la colle. Tu vas en manger de la colle. Tiens.
Ah oui, il faudra des petits strass. Je vais aller chercher ça tout de suite. Oups, chaque fois ça balance quand je le remets. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai été chercher mon petit bac. Ah, je crois bien que j'ai trouvé mon bonheur. Je crois. Je crois. Je ne sais pas encore. Je vais pas m'extasier trop vite. Je crois bien que ça irait bien. Ça fait un petit peu vraiment. Ils sont un peu comme holographiques. Oh, franchement, ils sont pas mal. Ça donne une petite touche de couleur. Et peut-être en mettre un. Voilà, je vais pas en mettre de trop, ceux-là. Et je vais mettre tout ce petit. Est-ce que j'en remets d'ailleurs? J'ai encore des tout petits comme ça en rose. Mais alors, il me faudrait des petits roses pâles. Et il y a ici, toi. Voilà. En couleur rose, mais beaucoup plus pâle. On va mettre comme ah tiens ça va être pour cacher le petit truc ici, les petites bavures. Et voilà, et une petite près de la chaussure. Mais je me demande si je mettrai pas non, sur la chaussure. Non. Non, ça fait un truc d'arlequin. Une chaussure d'arlequin. Voilà. Voilà. Donc ça. Tac. Et voilà ma carte. Toute simple, mais en même temps j'adore. Moi j'ai pas besoin de trucs folichons. Voilà. Donc avec la petite gorgeuse, le château, le petit chemin pour aller au château. Oh, j'en suis contente. J'en suis très contente. Je vais vous montrer les deux autres, enfin les autres que j'avais eues. En gorgeuse, j'avais eu celle-ci. Je les ai toutes assemblées hier. Attendez, je vais. Voilà. Donc celle-ci. Ouh, je suis vraiment pas douée pour montrer à la caméra. Il y a la petite aile ici. Moi j'ai remis de. J'ai utilisé du papier calque pour les ailes. En rajoutant du papier nacré sur le bout ici. Il y avait celle-ci. Qui n'est pas vraiment elle, du tout. Comment? Pas du tout féerique ou quoi que ce soit, mais je l'aimais bien. Il y avait celle-ci aussi. Voilà. Une petite danseuse de ballet. Franchement, c'est des seuls que je n'avais pas vu avant. Lui, c'est pas vraiment gorgeous, mais j'aimais bien aussi, hein, que j'avais pris pour une carte enfant si besoin. Un petit chat. Et belle taille quand même. Hein. Donc voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je dis à bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous. Et scrap un jour, scrap toujours. Bisous à tous.